À la fin de la conférence de Christian Schellmann, je me suis approchée de lui pour qu'il me dédicace une affiche souvenir, et c'est là qu'il m'a offert un curieux jeu de cartes. Il m'a dit que ce jeu de cartes est très particulier, et que si je savais bien l'utiliser, je pourrais couper instantanément sur les as. Intéressant. Je l'ai remercié, et je suis rentrée chez moi. Vers minuit, je fus réveillée par l'orage, et un éclair attira mon regard sur cet intrigant jeu de cartes. Il semblait m'appeler. Il me fallait tout d'abord perdre les as dans le jeu, m'avait-il dit. Le bruit du vent se mêlait aux terribles coups de tonnerre et aux éclairs. Tous les éléments semblaient être déchaînés et s'entrelacer. C'est alors que je coupa au hasard et au même moment qu'un assourdissant coup d'éclair. Incroyable, un as. Mais une de plus, une de moins, et ça ne marchait pas. Pour la deuxième fois, je coupais encore une fois sur un as. Incroyable. Coïncidence. Pour la troisième fois, je coupais encore une fois sur un as. Mais une de plus, une de moins, ça ne marchait pas. C'est alors que dans le ciel, 21 coups d'éclair s'enchaînèrent. Je me saisis du jeu et compta 21 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 cartes. Et là, incroyable, le dernier as. Schellmann avait raison, ce jeu est vraiment troublant. Le lendemain matin, je retourne à voir Christian Schellmann et lui rendis son jeu en lui disant « Ton jeu, j'ai vraiment trop flippé avec. » Et on a bien rigolé.